Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi, pour le dernier épisode de la semaine sur FIFA 17, ma carrière pro à Chelsea. Écoutez, on a vu deux épisodes, on va dire, intéressants, avec une victoire lundi et un nul mercredi. Trois passes décisives au total, mais par contre, zéro but. Peanuts, walou, que dalle. Là, j'ai le coach qui me demande maintenant de marquer à trois reprises et de faire une passe décisive. Un championnat, donc c'est oui, il me demande beaucoup, surtout quand on sait que j'ai du mal à marquer. Les passes décisives, ça va, j'arrive bien à voir le jeu, mais alors marquer pour l'instant, c'est très compliqué pour moi. Donc on va voir si j'arrive à faire mieux là, j'espère. Attention, Matic, ouais, Marcos. Super ballon. Allez Marco. Oh dommage, ça aurait pu faire ma première passe décisive. Attention, je vais me mettre là. Voilà, super. Allez, David Luiz là. Il faut essayer de jouer. Eden Hazard. Ils vont faire sortir la défense, hein, c'est clair. Interception, il a tout anticipé. Oh. Comment elle fait pour pas passer entre les deux là sur sur Eden Hazard, c'est pas normal. Donc c'est quand même pas négligeable. Pour donner confiance au milieu de terrain et aux attaquants. Attention. Derrière on est calme, on est plus serein devant. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, faut pas les laisser jouer. Ouais, la gros, je vais dire la grosse frappe, mais ça va être sur le gardien. Ouais, bien joué. Adrien, là, le gardien de West Ham, moi j'ai tenté. Il faut que je tente de toute façon. De près, de loin, croisé, instantané, avec contrôle. Il faut que je tente un peu tout, parce que là, pour l'instant, ça ne me sourit pas. J'aimerais bien changer un peu les choses. Oh là là, l'attentat. Ouais, tu m'as mis un attentat et l'arbitre, il dit rien. Franchement, je suis dégoûté là. Dommage. J'ai voulu intercepter au physique et ça n'a pas fonctionné. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire. Attention, la Marco Verratti qui a très très peu de solutions. Et qui garde un peu, pour moi, à mon goût, un peu trop le ballon quand même. Eden Hazard. Ah, super ballon là, Eden. Ouais, je tente la frappe, c'est très compliqué, moi je tente le geste technique, il fait rien mon joueur. On s'approche de la zone de vérité. Bon, non, dommage. Ouais, ça vaut pas. J'ai beau demander le ballon, quand elles m'arrivent, elles sont pas forcément dans de bonnes conditions, et après moi je me facilite pas forcément le travail. Et par contre, il me saoule, une mauvaise appel de balle, alors que la passe, elle est interceptée. Donc, c'est pas un mauvais appel de balle, c'est une mauvaise passe, c'est pas pareil. Ça, faut vraiment qu'il le revoie dans FIFA 18, parce que c'est pénible, quoi. Pour des trucs pour lesquels on n'est pas responsable, se faire sanctionner par le coach, c'est un peu chiant, quoi. Marcos Alonso. Allez, voilà. J'ai pas compris pourquoi il était reparti vers le haut, alors que là, la logique aurait voulu d'aller vers le bas. Marcos Alonso. Super ballon là. Franchement, super ballon. Ah, le centre est bon, mais il n'y a personne deuxième poteau. Ah, c'est dommage, parce que là, il y avait encore une belle occasion. J'avais très bien joué mon coup vers Willian. Et c'est dommage qu'il centre un peu trop vite, peut-être. Il aurait dû attendre. J'étais en retrait. Il avait la possibilité de me la mettre. Attention, ça peut être dangereux. Ah, c'est bien joué. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Oh putain. Putain, Moses là, qui va perdre ce ballon. Eh, d'accord, ne me donne pas la possibilité de me placer, toi. Aaron Creswell. Dommage. Ah, c'est vraiment frustrant quand même là. Parce qu'au final, on court un peu après le ballon et quand on le récupère, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Ouais, on passe par les côtés. Au niveau passe, au niveau collectif pour aller vers l'avant. Et pourquoi il recule David Luiz? Mais vas-y dessus.
accélérer un petit peu. Ça déconne. Et le mec, il fait 10 mètres pour avancer. Et au moment où le mec il arrive sur lui, boum, il recule. Victor Moses. Alors que moi j'appuie sur R1 pour y demander quoi. Pour faire la prise à deux. Hein. Voilà, allez. Impeccable. Voilà, là c'est bien joué. Matic. Mais là sur le côté là-haut, Matic. Voilà. Marcos Alonso. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Marcos. Oh là 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 là, il doit me la laisser. Il doit me la laisser, Verratti. Je suis plein axe face au but. L'occasion de prendre l'avantage peut-être. Attention, ça va dégager. Ouais, l'attaque va s'arrêter là. Ah non, c'est bien joué. Belle relance. Ça relance très proprement, pardon. Superbe tacle de Laporte. Eric Laporte qui tacle bien. Allez, allez. Regardez, j'appuie sur R1. Il n'y a personne qui y va, quoi. Le mec, il recule. Non, avance, je te le demande. Alors ça, par contre, je comprends pas pourquoi en appuyant sur R1 pour faire la prise à deux, le mec, il avance, il fait 4 mètres, il va au porteur du ballon, puis après, il recule. Il l'accompagne en reculant. Ah non, c'est idiot. C'est complètement idiot de faire ça. Qui reprend à l'instant. Puis là, franchement, les mecs, ils jouent à... Ah, ils sont presque 6 derrière, quoi. Une situation intéressante, là. Puis on n'arrive pas à récupérer le ballon, ça y est, quand même. Ah, ça pue le match nul, ça. Cahine. Marco Verratti. Lolo. Allez, vas-y, Hélène. Voilà. Je suis quand même obligé de faire un truc de fou. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Voilà, parfait. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Oh, ça continue. Choisis la frappe. Oh, elle est bien croisée pourtant. Qu'est-ce qu'elle était bien croisée. Et le gardien qui est là encore. Hein. Adrien, là, le gardien de West Ham qui fait vraiment, vraiment un super match. Hein. Allez. Super. Allez, Matic. Qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça fait Marco Verratti. Quatrième arbitre se plante pas avec ses panneaux. Oh, dommage. Ça part bien, action dangereuse. Bah, j'étais là, et Matic qui a pas pu contrôler. Parfait. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Oh, par contre, c'est pas normal. C'est impossible que le mec il anticipe comme ça. Il est en fait, il m'a laissé passer. Il m'a laissé faire mon geste technique pour me prendre le ballon dans la course. C'est impossible d'anticiper autant. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ballon perdu. Allez, Marcos là, bien joué. David Luiz. Marcos Alonso. Allez. La dernière demi-heure de cette partie. Matic. Parfait. Super. Allez, encore. Voilà. Vers Willian. Et Willian qui perd le ballon. Il a voulu tenter le dribble. Combien de temps il reste là? Il y a un peu d'espace devant lui. Et corner. Ce centre qui n'est pas parti bien loin. Contré. La défense de Chelsea. Moi je suis sur lui là. Corner. Ça va. Et le gardien qui sort bien sur ce corner. C'est dommage. J'appuie sur triangle pourtant pour la demander dans la profondeur. Et il me la donne pas. Ouais, les Hammers sont allés le chercher. Ce ballon, ils l'ont récupéré. Voilà, allez, ouais, le pressing est payant, j'obtiens la touche. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Ouais, s'ils trouvent son partenaire, c'est bien joué. C'est quoi cette passe de merde encore là? Oh, c'est un truc de fou, ouais. Ah, par contre, ils veulent pas me faire marquer, quoi. À aucun moment, je peux avoir un ballon efficace pour tenter une frappe ou quelque chose, quoi. Les 20 dernières minutes. Allez. Attention, il a du champ de... Voilà. Eh, dommage, Marcos Alonso il tacle, mais le ballon il part en touche quand même. André Ayou, on fait tourner. Allez, là. En essayant de faire voilà. Un petit peu l'adversaire pour... Allez, vas-y dessus, Eden. Nelson Semedo. C'est fou, hein. C'est fou d'appuyer sur cette touche et qu'en fait il se passe rien, quoi. Il la joue vite à la touche, pas de temps mort. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Ouais, oh, j'ai pris un tampon. Et ce ballon qui est perdu. On joue avec KO, il est au sol. Il s'est relevé ou pas? Allez, relève-toi.
Ouais, je sors. Putain. Et y a pas faute, je prends un tampon énorme, le mec il joue pas le ballon. Ouais, très bon tac, il récupère le ballon. Ah, je suis dégoûté. Bon, bah, ça sera pas sur ce match-là que je marquerai. Hein. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ouais, non, finalement. Je suis pas aidé. Collectivement, je suis pas aidé du tout. Allez, vas-y, retends-y. Fabregas. Allez. Je peux demander le ballon en plus. En touche, je peux demander le ballon. Okay. Quand il veut. Il connaît. Vas-y, il va mettre 10 minutes pour soigner, non? Ah, bien sûr qu'il me semble pas trop grave. Pierre. Allez. Il a envie de reprendre, c'est sûr, mais enfin, j'attends quand même de voir ses premières foulées. Allez, quand même. On les consigne par respirer, on fait tout le monde derrière. Priorité à la défense pour l'entraîneur. Corner. Oh non. Ouais, c'est tout. Bon, bah, écoutez, t'aurais été un épisode relativement court. Hein. Franchement, mon joueur, à mon avis, il va prendre 3 mois de blessure. Pas pourquoi. Pour qu'il sorte comme ça. Alors, le mec, il me fait re-rentrer. Il me fait pas re-rentrer, il fait le changement, c'est idiot. Et on va. Ok, repos forcé, 3 semaines. Eh bien, donc, étant blessé, on est le quoi là? On est le dimanche 17, donc je peux facilement aller au premier. Tac, bon bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu quand même, malgré ce match nul et cette piètre prestation. Mais écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu, vous le savez, c'est la récompense. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ma carrière pro sur FIFA 17. Allez, partout bien, à bientôt, ciao tout le monde.